c'est jamais simple de jouer des Français en Grand Chelem. On se connaît bien, Quentin est de la même année, on s'est beaucoup entraîné ensemble plus jeune aussi, on connaît les forces et les faiblesses de chacun, c'est jamais des matchs simples à appréhender. Ça a été, je pense, dans l'ensemble 4-7 hyper accroché. J'ai réussi à bien revenir après la perte du premier sur une fin de set un peu tendue, mais j'ai bien réagi tout de suite, j'ai repris le lead. Et voilà, et aujourd'hui, je suis très content de cette victoire après ce par quoi je suis passé. Donc c'est cool, maintenant place à la suite. Bah, je me sens de mieux en mieux en soi. C'est une saison hyper paradoxale parce que d'un côté, je fais mon meilleur début de saison avec deux finales et un troisième tour en Australie. Puis j'ai enchaîné une grosse blessure après Marseille, j'en ai refait une à ma reprise à Monte Carlo. Et c'est pas évident à gérer parce que c'est quand même des gros coups d'arrêt dans la saison. Là, je recommence à bien me sentir physiquement. Franchement, ça se remet plutôt bien en place. Je suis assez content de ce que je produis et je retrouve de la sérénité et tout. Donc franchement, c'est bien et ça fait du bien d'avoir cette victoire aujourd'hui. Après une aussi longue absence, il faut retrouver du rythme, il faut refaire des matchs. Gagner des matchs sur le circuit, c'est jouable, mais c'est pas forcément hyper simple. En challenger, c'est pas non plus cadeau, mais il y a quand même plus de chances d'enchaîner, de retrouver ces repères-là. J'ai réussi sur les dernières semaines à regagner un match par-ci par-là, enchaîner deux matchs grand maximum. Mais en tout cas, dans moi, ce que je sens de mon jeu et comment je me sens aujourd'hui physiquement, ça va beaucoup mieux. J'arrive à tenir 4-7 aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de trous dans mon jeu et c'est bien, on va dans le bon sens. Je le connais bien, on s'est joué deux fois l'année dernière. Il a un jeu hyper brillant, il sert très bien, il frappe très fort, il est hyper offensif, il fait une saison dingue après le gazon. Il va forcément arriver en confiance, il va jouer chez lui. Ça sera, je pense, un beau cours avec une bonne ambiance. Après, je sais que je peux avoir le jeu pour l'embêter. On va se préparer tranquillement demain et pour bien récupérer parce que faire des 4-7, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé aussi. Et puis, on va faire au mieux mercredi.